J'ai envie aujourd'hui de parler à certaines femmes comme moi qui, dans le cours de leur vie, ont rencontré des hommes et qui, après les avoir quittés, se sont sentis bêtes de les avoir crus, de les avoir aimés, d'être restés malgré toutes les douleurs qu'elles ont pu traverser dans cette relation. J'ai envie de leur dire qu'elles n'ont pas été bêtes, qu'elles n'ont pas à s'en vouloir. Elles n'ont pas à s'en vouloir d'avoir aimé, d'avoir essayé, d'avoir voulu tout simplement être aimé en retour. Quand on est dans ce processus ou dans ce genre de situation, on ne réfléchit pas forcément. Parce qu'à ce moment-là, peu importe ce qui se passe, peu importe les crasses qu'on nous fait, peu importe les méchancetés qu'on nous dit, on a l'impression qu'on peut arranger les choses. Et parce qu'on aime, on se dit que c'est pas grave et que ça peut changer. En vrai, on se console et on trouve des excuses à l'être aimé. On a toutes fait ça. Nous sommes toutes passées par là. Mais ça ne fait pas de nous des personnes idiotes ou des personnes dépourvues de tout sens ou des personnes sans caractère. Ça fait de nous tout simplement des humaines. Alors à toi qui te sens bête, sale, petite et réduite à rien parce que tu as eu à traverser cela, laisse-moi te dire que tu es juste humaine et que c'est normal. Ce qui serait anormal, c'est que tu donnes la possibilité à quelqu'un d'autre de te faire la même chose. Parce qu'une fois qu'on a vécu ça, une fois que le verre il est cassé, on ne peut plus le recoller. Donc forcément, tu te rends compte de ta valeur, tu te rends compte des choses que tu aurais pu éviter. Donc, ce que tu as à faire, c'est de te relever, d'essuyer tes larmes et de ne plus te laisser avoir. Tu n'es pas seule.